forever. Let's do King Julius style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 9e épisode sur Cyberpunk 2077. Nous avons rendez-vous à 10 mètres dans la petite pièce qui est juste là. Lui, j'aurais bien mis un coup. Vous vivez dans le coin ? Il est bourré, on va le laisser à uriner partout. Je vous avoue que je suis un petit peu attristé depuis la mort de Jackie. On s'est laissé ici. Alors j'espère qu'il a été ramené au Sharky Dock. Et que ça va bien pour lui, du moins qu'on a bien pris soin de ce qu'il en restait malheureusement. Je vous avoue que je suis un peu attristé. Ah ouais, je suis lourd en plus, je peux plus rien porter, c'est pour ça que je marche au ralenti. Donc on va aller voir ce qui nous attend dans la chambre 204. Et puis je vais continuer à tout looter, hein, comme d'hab. Vous savez que je suis un looter compulsif. Ah, je pourrais revendre des trucs, je vais peut-être décomposer avant histoire de me faire un peu de sous. Je crois pas qu'on a été présenté. Non, je crois pas non plus. Ah, je peux pas sortir d'armes là. J'espère que ça va le faire. Je vais aller à mon rendez-vous, même si, ben ouais. Ah, j'aurais préféré peut-être aller voir directement Evelyn. Dans le coin ? Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si j'aurais pu aller la voir directement. Bref. Je vais me promener ici. Je crois qu'il y a un truc à ramasser. Là, je vais en profiter. Non, je peux pas. Ok, je peux rien ramasser. Bah écoutez, je vais avancer. Je vais même monter, peut-être. Ah, pourquoi ils me disent à 40 mètres? Ah, pareil. Il y a des items qu'on peut pas ramasser, comme d'hab, pour pas changer. Donc je vais essayer de trouver là où je dois passer. Non, je veux pas te parler. Et puis, bah écoutez, on va voir ce qui va nous arriver. Ou du moins, ce qui nous pend au bout du nez. Donc aller à la chambre 204, ouais, peut-être qu'il faut que je prenne l'escalator et que je monte en haut. On va se faire ça. C'est pas un escalator, c'est un escalier tout court. Ok, ce couloir me fait penser à un passage qu'il y avait dans une cinématique. Je vais sûrement être fouillé. Je sais pas s'il y aurait eu moyen d'aller voir Evelyn. Au pire, je verrai hein, s'il y a moyen. Je me ferai ça de façon alternative. Alors déjà, faut que je rentre ici, a priori. C'est parti, on va frapper à la porte. Laisse-moi entrer. Il t'attend. Je sais qu'il m'attend, sinon je serais pas là, abruti. WNS, N54, même les réseaux pirates. Tout le monde parle de vous deux. Et l'ami Jack, alors? Il est dans la voiture? J'ai même pas le temps de répondre. Ouais, il est mort. À votre avis, putain, où il est? Fais gaffe, ne parle pas sur ce ton. Il s'est vidé de son sang sur la banquette. Il est mort. Tu m'envoies navré. Ouais, je suis grave dégoûté. Ouais, faut que je lui mette à l'envers. Ça a foiré. Ça a foiré. Voilà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Saburo Arasaka, il est mort. T'as une idée de la merde dans laquelle tu m'as mis? T'as buté l'empereur, sa putain de majesté. On a tué personne. Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette histoire sont morts. C'est vous qui nous avez foutu dans ce merdier. Vous l'avez préparé comment ce plan? Vous saviez pas que Saburo Arasaka serait à l'hôtel? J'ai pas accès à son putain d'emploi du temps personnel. Et puis personne vous a demandé de buter le vieux. C'était pas nous, putain! Sans blague, tu diras ça aux ninjas d'Arasaka qui vont te coller au cul. Ah, tu dis plus rien, je dis plus rien, je sais quoi, je peux le frapper, je peux quoi? Allez, calme-toi. Va falloir agir avec stratégie. Déjà, je lui ai pas dit que je l'avais et que c'était juste nouvel là. Nouvel endroit, nouvelle identité. Mais d'abord, ton visage, il est couvert de sang. T'as une salle de bain là. Ouais, allez, super. Va te rincer un coup. C'est clair que j'ai envie de me rincer devant toi. Je vais rentrer là surtout. Ouais, je vais me rincer. Allez, utiliser. On va voir si je suis réellement plein de sang. Ouais.
à se briser le miroir. Ah ouais, on a vachement brisé le miroir. Se laver le visage, bah ouais, hein, j'ai pas le choix. Ah, j'ai plus de temps sur les mains par contre. Ouais, s'éloigner. Essayez là, ça apparaît maintenant. Ok, bah écoutez, on va retourner de l'autre côté. Ah putain, merde, il m'a fait sursauter ce con. J'espère qu'ils vont pas regarder dans mon cou. J'ai pas le choix, V. Tu te souviens de notre première discussion? Je préfère Dex, mener une vie paisible, finalement. Pas de mort spectaculaire pour moi. Ah merde, je peux même pas le... le scanner, tout ce que vous voulez et tout. Je suis mort, c'est ça? Faut que je reprenne. Non, c'est là que les choses commencent. Est-ce que c'est là que j'ai l'implant de Monsieur Silverhand là? Les enfoirés. Putain, c'était juste l'épilogue là au début. Ah, super. Moi, c'est Jackie que je veux. Interlude. Salut. Est-ce que je suis dans la peau de... Salut. Ah, je suis peut-être dans la peau de Silverhand. Jamais. Ouais, c'est la voix. Pas l'air. En tout cas, ça va chier pour Dexter. Je désolé, vous je direct. Peux pas te laisser... Hey, on se calme. Ouais, ouais, c'est moi, c'est... je suis Johnny Depp. Allez. Allez, laissez passer. Jackie? On aurait dit Jackie. Ah ouais, je vais aller sur scène. Ouh. Allez, Barwatt, prendre. Ce soir, je... je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Allez, c'est parti. Ouh, rock and roll. C'est tout? Gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème? C'est tout? T'en demandes combien? Oh, ok. Je la veux aujourd'hui. Génial. Allez, vas-y, là. Ok, bon, lui, je peux pas lui parler. Je vais dehors. C'est parti. Johnny, attends! Fais pas ça. Il peut encore changer d'avis. Contrairement à toi, j'abandonne jamais. On se reverra en enfer, mon pote. Viens par ici, vieux. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. On se reverra en enfer, mon pote. Allez, c'est parti. Je sais pas comment il est mort, mais bon, on verra bien. Ah, ça m'excite quand tu runs comme ça. J'adore quand t'es en run comme ça. C'est super excitant. Allez, monte, avant que je change d'avis. Allez, mon petit boule, monte à l'intérieur. Salut, Shaitan. C'est bon, on décolle. Tiens, fais ça. Et l'enlève pas, ok? On va pas te cramer les cheveux avec ta clope. Ah, c'est tout? Et là, on met pas? Ok, je suis bloqué à la porte. Love like fire. Ok. The hammer. Les jetés sont en feu. Tout Pacifica a été bouclé. Il y a des blindés dans les rues de Watson. Les fils de pute. Ouais, bah je vais le attendre gentiment là-bas. Alors. C'est nous. Nouvelle zone, Glane. Ok.
latéraux, ça fait partie du plan? On n'est pas chez les scouts, Thompson. Des fois, c'est avec la gousse. Là, je peux enfin tourner un peu plus la tête. J'ai pas de vision bionique, donc là, faut que j'attende. Je sais pas combien de temps je vais attendre, mais c'est un petit peu long quand même. Et la demoiselle s'est transformée en mitraillette. Ok. Je vois même pas la tête de celui qui tient. Qui tient ça là. Il tire trop bien. Vas-y, je peux tirer maintenant. Ouais, je prends le relais. On va déjà tirer sur les tours. Voilà. Allez, allez, on charcute tout ça là. Allez, meurs toi aussi là, il est sérieux ou quoi? Allez vite, faut que j'aille looter tout ce que j'ai tué là. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont se pointer par là. Non. Oui, non. Je sais pas si c'est un sac que je vois ici. C'est le sac qu'il faut que je prenne. Déposez la charge dans l'ascenseur, l'amorcer et laissez la gravité faire le reste. L'explosion secoue les fondations. La tour s'effondre, panique générale, hurlement, fin. Ok. Je me connecte. L'herbe est verte, les oiseaux volent, les chats ronronnent, les rats ronjonnent. On n'a pas le temps de s'amuser, Murphy. Arrête ! L'alerte d'évacuation. Diffuse-la sur toutes les fréquences, et après on se bouge. La vache. Qui c'est qui a écrit ce manifeste ? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Bah putain, Johnny, allez, vite, 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 là. Réalité. C'est une consolade comme moi qui le dit. Allez! Tiens-toi prêt! Ok, je peux pas recharger déjà. Ah si. Mais avec un train de retard. Il est sympa son gun, là. Bah là, c'est pas censuré. Ok, il y a rien par là. Elle me traquait avec des gobelets, elle me traquait avec soin, le poursuivit avec des fourches et de l'espoir. Et plier l'ascenseur, ok, vite. Ah, je l'ai pas à la charge, moi. Vas-y, je vais la mettre dans l'ascenseur. C'est quoi, faut que je la pose ici. Ah, recharger. Ouais, R. Bah, ça veut pas déjà. Ah, c'est quoi ce tir de ouf? Ah ouais, pas mal l'arme. Il y a un tir secondaire dessus. Ah ouais, poser la charge, il serait temps. Ah ouais, je fais que ça depuis tout à l'heure là, la tournée en rond. La bombe est prête. Ok, je sais pas si c'est good. Tire sur les câbles. Ah, déjà, faudrait que j'ai un gun. Ah, je vais essayer ça, tiens. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Ah, j'ai un dernier truc à faire. J'aurais besoin d'un coup de main. J'ai pas fini. Je dois encore mettre ça sur le sous-réseau. J'en étais sûr, putain. C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein. C'est toujours pour ta groupie, c'est ça?
Ouais, ah, spawn un groupe. Tu comprendrais pas. Ouais, t'es gêné l'arme là. Après ça, on se tire et tu te démerdes. Verrouillage de la porte désactivé. Les trous de balles d'Arasaka arrivent. Je t'adore, Spider. On m'adore. On va se faire un trip à la Kill Bill. Allez, lance-flamme. Moi, je peux peut-être pas me soigner par contre là. Oh, bah, il serait temps, ouais. Ok, faut que je trouve, voilà, un escalier pour monter en haut. Ouais, ouais. Ah, il voit plus, t'es en train de cramer. Yes, c'est cool ça. Pour se défendre si on est débordé. On approche du point d'accès. Vas-y, vite, 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 allez, en tant qu'agent secret là. Sympa le brise-glace, c'est de l'import. Si seulement quelqu'un savait comment changer le protocole du sous-réseau. Très drôle. Tu vas m'aider ou pas? Besoin de mes services? Ah, mais il suffisait de demander. Merci, Murphy. Et maintenant, pour la forme. Putain de ta cybermère. On passe à la télé. Nous nous tournons à présent vers la tour Arasaka en cours d'évacuation suite à de terribles menaces de la part d'une organisation terroriste non identifiée. Cette dernière affirme vouloir, je cite, « renverser un symbole du colonialisme corporatiste ». Mbole Ebunike, le maire de Night City, a déclaré que tous les moyens seraient mis en œuvre pour enrayer et éradiquer la menace terroriste. Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial sur place. Espérons qu'ils parviennent à faire la lumière sur ces événements à mesure qu'ils se déroulent. Tout est paré. Bon, allez, cassos. Ok, chef. Il grimpe. Dépêche-toi d'atteindre le toit. Ok, c'est parti. On va se dépêcher. Hop, 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 on court. Ah ouais, d'accord, ok. Enfin, si j'avais su... Ah ouais, c'est l'autre là, Smash machin. Bah, va falloir que je le défonce aussi, lui, alors. Parce que s'il a tué Johnny et qu'à cause de lui, il y a aussi notre cher ami qui est mort là. Murphy. La porte est verrouillée mais elle tiendra pas longtemps. Fonce Johnny, à toute vitesse. Ouais, je fonce. Ah, je vais perdre mon autre main, c'est ça? Il va me couper le bras. Prendre l'arme. Prends l'arme. Ah, il était encore entier là. Ok, là il était pas aussi cybernétique que maintenant. On va y avoir une belle liste de gens à tuer là. Je vais finir dans les services de d'Arasaka, c'est ça? Ils vont prendre ma mémoire et ils l'ont mise dans la petite puce. On va réessayer. Tes associés, qui sont-ils? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Bref. Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic, un peu, hein? Allez. Aïe. À quelle organisation terroriste appartiens-tu? Comment as-tu acquis des matières fissibles? À Sushi Corporated, j'appartiens. Je le connais, le papy. Patron n'a pas. Le patron a pas l'air hyper content de votre travail. Azuse. Jokset Hanashi Osuru.
Et puis il va connecter son wifi à mon cerveau, c'est ça? Avec ses yeux bioniques. Excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Ouais. Mais il y a des choses pires que la mort. Ça faisait pas partie du plan. Naze, kono yō na koto. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamuku. Ouais, si tu veux. Bon, au final, s'il nous a tués, c'est pas plus mal qu'il soit mort lui aussi dans ce cas-là, et que son fils l'ait tué. Par contre, il va falloir tuer le fils aussi. Sur Dame Prêt, début du transfert dans Gramme. Ok. Ouais, c'est ça, ils m'ont piqué mon être intérieur. On transportait trop de choses, ok. Ah ouais, je me promène dans un monde bizarre là. Ah ouais, je suis dans les lieux, dans les bureaux là. Il se passe qui? Il se passe quoi là? Ok, je vais remonter par là. Ah, je vois Johnny Silverhand, allez, on va le suivre. Allô, man. Et toi, t'es qui? Là, se trouve, on va fusionner. Là, je suis en train de redémarrer. Se trouve, ils m'ont mis une bastos et ça a pété la puce que j'avais. Ouais, retirer. On va retirer à la peau, je sais pas quoi là. Enlever. Ah, j'ai été jeté aux ordures, c'est ça? J'étais comme une merde dehors. Je suis dans la décharge de Night City, c'est ça? Ah là, du mal ma vision là. Décharge de. Non, j'ai même pas eu le temps de lire, le truc il est apparu trop vite là. Ouais, je suis en train d'avancer pas par pas là, je peux pas me lever, mais bon, c'est pas grave. J'ai touché à rien du tout, j'y vais attendre. C'est marrant les bruitages qui ne vont pas du tout avec ce que je suis en train de faire. Moi, je vais me remettre à avancer, puis sinon on y est encore demain. Vas-y, mire-moi ça. Moi, je vais rester appuyé en avant, puis c'est éviter qu'il me refoute ça pour mon 3 pompes. C'est chiant. Hein. Ah, il revient en plus. Ils m'ont jeté comme une merde et il vient me rechercher pour me finir, c'est ça? Ramper jusqu'à là, je sais pas quoi, zut, j'ai pas vu. Jusqu'à la sortie peut-être, je sais pas. Il va m'en remettre une dans la tête ou... Parce qu'il complote avec. La vache est lourde. Bon, écoute mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on dégage. Ah bah, bien fait, tiens. J'aurais pas à le faire. Par contre, toi, va falloir que je te tue parce que tu m'as empêché de le tuer. Espèce de mytho. Si tu savais que c'était ton patron qui a tué son père... Ah, merde. Ah, merde, toi. Ok.
Ok. Ah, il a plus les yeux rouges. Je peux pas te... Ah, tu en pèses, t'es abruti, j'ai été balancé dans les ordures. Je peux pas équiper ta caisse ou faire quelque chose là, non, c'est quoi, c'est encore une cinématique, je suis bloqué. Tu es mon sang, j'ai besoin de toi. Dysfonctionnement du système. Non, je vais pas l'utiliser. Enfin, j'aurais peut-être pu l'utiliser après. Ok. Ok, si je l'utilise pas, il y a un accident. Alors on va voir ce qui se passe si je l'utilise. Ah ouais, c'est long. Bon allez, vas-y vite, donne-moi mon. J'ai besoin de toi. Oh, t'as besoin de moi. Vas-y, donne. Vas-y, utilisez. Dans le cœur. Et là, accident, on se fait attaquer ou pas? Ah bah non, on se fait pas attaquer, c'est bizarre, tiens. Ah bah si. Ah ouais, comme dans un film d'action. Ah ouais, il nous aide. Vas-y, je tire dans les pneus de ta caisse là, enfin de ta moto, t'es sérieux ou quoi? Attends, rends-moi le gun. J'aurais pu tirer 20 fois là. Donne-moi le gun. Ah ouais, si je lui tire dans la tête mais que ça fait rien. Alors ce qui est marrant c'est que je lui tire dessus mais c'est sa moto qui crame là. Ah elle est pas mal. Ouais je veux les lames moi aussi. Donne-moi mon gun là, c'est... Ouais je m'accroche mais... Manon, si tu pilotes comme ça, je peux pas tirer là. Ok, d'accord, ouais, c'est peut-être plus simple. On fonce dans le panneau publicitaire. Alors peut-être qu'il était de mèche lui avec Silverhand et qu'il va trahir son patron, je sais pas, et qu'il va nous aider. C'est pas le moment de perdre connaissance. On va voir. Ne ferme pas les yeux. Ah, par contre, il faut finir de le tuer là. Ouais, je vais lâcher. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcutoc de confiance? Toi, t'étais où? Au coup de Becky Plaza. Nous devons aller voir un charcutoc. Vite. Victor. Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux? Appeler de la main. Pourquoi tu me laisses pas tomber? Pourquoi? Ce n'est pas le moment de dormir. Pourquoi tu me laisses pas tomber? Je suis un poids mort pour toi. Passe l'appel. Ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher.
Je dois aller chez Misty, c'est ésotérique. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, il mourra. Certes, mais il mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez le connecter. Vas-y, dépêche, connecte-moi là. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas te tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang. Misty! J'espère qu'il va pas mourir, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'infos là. Sa pression chute! Choc neurogénique, nous le perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. Ok, je sais pas si je peux interagir ou pas là. Je peux tourner la tête, mais difficilement. Ouais. J'ai pas trop le choix, faut que je reste comme ça quoi. Je suis en train de récupérer. Comment il va? Déjà, lui il est pas mort là. Il se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. Je veux les doubles lames, Sharkudok. Bon, j'aime bien le katana quand même, hein. Au pire ça me fera trois lames comme ça. Je sais pas si il va trahir son patron ou si c'est déjà le cas, se trouve il est de mèche avec Silverhand. Mais tu m'entends? Ma tête. Ouais. Comment tu te sens? Merde, je veux dire merde moi. C'est pas Vic. Non, mais... Oh merde, ça m'a mis un coup de roulette en trop là. Ces hallucinations, tu peux me les décrire? Est-ce que je peux dire merde là? Beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis rempli de haine. Et puis je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagé. Après... ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour à Arasaka. Non, y a pas de quoi se marrer. Ils m'ont tué, Vic. J'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Comment c'est possible? Tu veux dire que les souvenirs d'une autre psyché? Comment c'est possible? Tous les deux, vous êtes connectés d'une manière que j'arrive pas à comprendre. Tous les deux? Moi et qui, Vic? C'est qui, l'autre? Johnny Silverhand. Un terroriste. Il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Ah, enfin, c'est pas le plus important pour le moment. Ah, qu'est-ce qui est pire que le terroriste dans la tête? Le terroriste que j'ai dans le crâne. La biopuce, c'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit,
disparaîtra. V, c'est important que tu comprennes bien. C'est des conneries ? Pas un mot de toutes les conneries que tu viens de me dire. Tu sais pourquoi ? Parce que tout ça n'a aucun putain de sens. Je sais pas ce qui m'arrive, mais il y a une explication logique, c'est obligé. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider ? Tu veux la version longue ou abrégée ? Moi, je veux tous les détails. Dans les moindres détails. Ok. Y a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as inséré dans ton port, mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter de Shawn. Mais comment on se relève d'un truc pareil ? Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur de Shawn. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont pris par la main et gentiment guidé vers la lumière. Quand on meurt, on n'en résulte pas normalement. Donc je suis Frankenstein, c'est génial. T'es le docteur Victor et moi je suis ta créature. Ton corps est qu'un outil. Tu peux le modifier, lui greffer du chrome. Tu peux même en changer si tu veux. Et ton esprit... Oh... Ça c'est une autre paire de manches. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps, une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer ? Il veut prendre mon corps ? Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. Alors je suis censé faire quoi ? On peut pas simplement enlever la puce ? Cet éclat, c'est celui de des pubs télé. Juste enlever la puce ? Ou la désactiver ? Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Celle des pubs à la télé. Putain. Je connais ce truc. Ils en font la pub. C'est quoi déjà le slogan à la con ? Machin votre âme. Protégez votre âme. C'est ça. C'est simplement censé te permettre de parler avec des constructs. Peut-être. Mais celui-ci, c'est un prototype au vu de la finition. Sorti je sais pas comment des labos d'Arasaka. Alors, je suis censé faire quoi ? T'as toujours été là pour moi. Si tu peux. On l'a vu une fois. Ah, peut-être qu'on l'a vu d'autres fois sans le savoir, mais. Tu peux me le dire ? Vic ? Si seulement je le savais. Misty ! Bon, ça, j'ai les pieds qui sont encore entiers déjà. Tu lui en demandes trop. Vic n'est plus tout jeune. Viens, V. Je te ramène chez toi. Ouais, merci. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est... comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà mort, non ? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo endotrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Tu me donnes des comprimés pour me tuer ? Tu me files des cachetons pour booster ce fils de pute ? Pour qu'il me bute plus vite ? Écoute, tu vas te sentir bien au début. Mais au bout d'un moment, ça risque de devenir un vrai calvaire. Je t'offre juste une option, Manchou. On peut tromper le cerveau.
Suffit d'un bon analgésique. Ta psyché va mourir, V. Tu vas avoir l'impression de te sentir partir. À un moment, tu te reconnaîtras même plus. Ce sera terrifiant. Et même douloureux. Mais avec ça, ça peut bien se passer. Pourquoi prendre des médocs? Autant mettre un flingue dans la bouche et presser la détente. Oui, mais tu tuerais deux âmes. C'est vraiment ce que tu veux? Allez, on va s'allonger. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça ferait un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir. À propos de Jackie. Misty, attends. À propos de Jackie. Oui. Il parlait tout le temps. Il parlait de toi. Sans arrêt. On a eu une dispute. Juste avant qu'il parte pour cette mission. Il t'en voulait pas du tout. J'espère que tu le sais. Je sais. Mais j'aurais aimé que nos derniers moments ensemble se passent. Autrement. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Attends, dors, on peut parler encore un peu, non? J'ai pas d'autre choix à faire, dormir. Ouais, bah si j'ai pas de choix. Pourquoi il dort très dans son lit? Il peut pas dormir dans l'autre sens, non? Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Ok, c'est ça commence. Hey, il me faut une clope. Où tu planques ton paquet? Ouais, je vais me lever. Comment t'es entré? D'où tu débarques comme ça? Comment on peut se parler? Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain? Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher? Putain, mais disparais! Bon, ça, ils l'ont bien modélisé. Bah on va pas quitter l'appart, on va rester là pour le moment. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je vais essayer tout mon bazar à looter ici. Je ferai ça peut-être une autre fois. Je peux faire un petit pipi, non? Ok, j'aimerais bien voir la tête que j'ai. Prendre, non, je veux pas prendre. Je peux même pas utiliser le miroir. Faut que je quitte l'appartement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il y a rien d'autre. Bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Je peux rien faire d'autre. Ah, il veut me taper, pour c'est qui ça. Tu bosses? Réponds-moi. Ah, il a quand... Je pense qu'on a juste perdu l'équilibre. Mais quand on bouge, ça fait un mouvement. Ok. Merde. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête. Ah, t'es sérieux, Mano? Dû arrêter de bouger. Ah, je suis en train de me fracasser la tête contre la vitre. Bah écoutez, si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Je vais pas prendre les médocs, on fera ça une autre fois. Je vais voir si je peux sauvegarder d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal.
Et puis on se retrouve la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et survivez bien. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.